elle s'envole. Elle s'envole. C'est n'importe quoi. Je pense que t'as pas compris, si tu veux, je te réexplique le film. Bah, j'ai plus le temps, là. Attends, je te refais le pitch en 5 minutes. Agathe Percier, fille lambda. Tu préfères pas lambda sexy, non? Ouais, si tu veux. Je reprends. Ouais, vas-y, continue. Agathe Percier, fille lambda sexy, a une vie rangée, traditionnelle, tout va bien. Un jour, sa vie est chamboulée. Elle apprend que son père, qu'elle pensait être un petit professeur des écoles tranquille, s'est fait tirer dessus par des mafieux. Elle le retrouve mourant. Et là, il balance tout. En fait, il a créé une nouvelle drogue super puissante. Mais elle s'appelle comment, cette drogue? Du coup, il bosse avec des mafieux, il deal pour eux. Sauf que du coup, la drogue est tellement bonne et se vend tellement bien que les mecs, ils veulent la produire eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lui piquent la recette et ils décident de le buter. Il lui tire dessus, mais il le rate. Et c'est pour ça que le mec, il attend de tout raconter à sa fille. C'est pas de la drogue normale, c'est pas de la drogue juste, elle te défonce. La drogue, elle te rend super fort. En fait, il avait gardé un échantillon dans une tour Eiffel. Tour Eiffel, et pareil, pourquoi? Pourquoi une tour Eiffel? En fait, c'est un souvenir de vacances que Agathe lui avait ramené de Paris, donc voilà. C'est une petite tour Eiffel où tu peux mettre des trucs dedans. Donc en plus, tu vois, ça la touche parce que c'est vraiment la tour Eiffel qui était pour son père, quoi. Elle récupère la tour Eiffel, elle prend la drogue, la bim bam boum, elle s'entraîne, elle devient super costaud, super rapide, super smart. Elle retrouve l'assassin de son père. Et elle fait comment? Bref, trac, course-poursuite, duel. Elle jette le flingue, elle bute le mec, elle s'envole. Fin. Ok, donc si on résume, cette nana lambda sexy, là, elle a un père qui bidouille de la cam, et puis un jour, il tombe sur des mauvais gars qui le défoncent, et elle le retrouve mourant dans un parc, il lui file du tour Eiffel, porte-clé, je sais pas quoi. Là. En fait, c'est un souvenir de vacances. Hein. Ouais, bon, on s'en fout. Hein. Bon, le fait est que là-dedans, il y a la cam, elle prend la cam, elle devient super forte, et elle défonce tout le monde, c'est ça? C'est ça, ouais. Mais ça, c'est du bon, mon gars. Ça me plaît. C'est ce qui marche en ce moment, donc ça me plaît. C'est quand même assez surprenant que t'arrives à pondre un truc comme ça, mon pote, d'ailleurs, ça... Je te produis. Abonne-toi.